Bonjour et bonne semaine, bonne nouvelle semaine de vlog. On est à la 21e semaine, où on est jeudi 18 novembre. la semaine passée, j'ai mis mon vlog en retard un petit peu. En réalité, aujourd'hui, moi, je viens de publier le vlog sur YouTube. J'étais un peu en retard dans ma journée. C'est pas tellement grave. Mais je m'excuse pour la semaine dernière que mon vlog soit en retard de quelques heures. Au lieu d'apparaître à 8 heures, heure du Québec, il est paru, mettons, vers 2h, 2h30. Donc, je viens vous voir aujourd'hui avec mon cardigan, pas qu'il file là-dedans, de Marie-Christine Lévesque, le cardamome, que j'ai commencé, que j'ai pas été capable d'attendre Sylvie. Sylvie, tu m'en excuseras. Et dans le fond, j'ai fermé le vlog en vous en parlant un petit peu la semaine passée. Puis, je me suis rendu compte que dans le fond, j'avais fait une erreur sur ma première épaule. Voyez-vous, là, l'erreur raccourcie, là. Mais dans le fond, il fallait que ce soit plus large vis-à-vis d'ici et non le contraire. Fait que là, j'ai repris mon épaule gauche que j'avais manqué. Là, ça fit mieux, là. Ça va être comme ça. Bon, fait que bientôt je termine la deuxième fois que je fais mon épaule gauche. Puis je crois qu'ensuite je rejoins en rond. Ouais, je pense que ça va être ça. Fait que c'est toujours avec les brebis du Bourrivage, c'est la Frison Worsted. Et je la tricote en 5.5. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ou après? J'ai teint ma laine pour faire mon pull Ashley que je vais tester. Vous l'avez un petit peu trop étant. En tout cas, vous allez dire, mais coudonc, t'es dans le bleu. Je suis dans une passe de bleu. Puis, je sais pas pourquoi... J'ai pas été dans une autre couleur, mais en tout cas, j'ai fait un ton sur ton. Fait que ça va être mon jacquard, ma couleur contrastante, ma couleur principale va être comme ça. Vous allez peut-être le voir au fur et à mesure des vlogs. Là je vais essayer de faire mon échantillon ce soir. Et j'ai une troisième chose à vous dire. Hier, dans le fond, jeudi, quand j'ai fermé le vlog, je suis allée faire mon épicerie après avoir fermé le vlog, puis j'ai rencontré quelqu'un. Fait que là, dans le fond, je vous en parle cette semaine. J'ai été, nous aussi, ça s'appelle les Pères Nature. C'est une petite épicerie plus fine, là, si on veut. Puis là, elle a plein de paquets, des sacs cadeaux, des paniers, puis des choses comme ça. Puis là, quand je suis arrivée, dans le stationnement, il y avait un monsieur qui était en train de décharger des paniers. Puis tu sais, ça prenait beaucoup de place. Je me disais, qu'est-ce qu'ils font là? J'ai dit, quoi, vous avez là? Il dit, ah, c'est des paniers. La fille du Père Nature avait fait une commande de paniers. Puis, est en train de choisir ceux-là qu'elle prenait pour mettre dans la boutique. Puis, après ça, lui, il s'en retournait. Lui, là, il s'appelle Monsieur Panier. Regardez ce que j'ai trouvé. Attends, je finis mon rang. Il y a des différentes couleurs. Tu l'as dans le rouge, tu l'as dans le noir. Puis, tu l'as dans... Celui-là, c'est le grand. Il y a très grand, c'est plus grand que ça. Grand, moyen et petit. Dans toutes les... Là, il y avait celui-là. Attends, je finis mon rang. Il y avait « Je peux pas, je tricote ». Il y a « Calme-toi le pompon ». En tout cas, il y a plein d'affaires. Mais M. Panier, si vous allez voir sur son site internet, dans le fond, lui, c'est un fournisseur pour les détaillants. Il ne vend pas lui-même. Mais si vous en cherchez, comme là, il y en a à Sainte-Marie, au Père Nature de Sainte-Marie, comme du monde qui me connaissent et qui savent où je reste là, il y en a à Sainte-Marie. Sinon, vous allez sur le site de M. Panier. Je ne suis pas payée, là. Il m'a dit où aller. Vous allez sur son site, Monsieur Panier, puis il va vous dire où il distribue. Il dit qu'il est dans plusieurs boutiques de laine. Fait que j'ose croire que vous allez en avoir près de chez vous. Puis ce que j'aime, c'est que, ben oui, c'est un... Le fond, c'est en osier, là. En dedans, c'est de l'osier. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer. Voilà. En dedans, c'est de l'osier. Ben, c'est de l'osier des deux côtés, mais lui, il est couleur gris. Puis dans le fond... Oups, ça... Regardez si c'est fin, voyons. Et voilà. Puis là, on peut le fermer. Fait que
moi, je me cherchais un sac de transport pour mes tricots. Il rentre bien, vraiment bien sur l'épaule, là. Fait qu'hier, j'ai eu une petite virée à l'hôpital avec un enfant, rien de bien grave, mais du temps d'attente. Temps d'attente égale temps de tricot. Donc, j'ai été capable d'avancer mon pull, pas mon pull, mon cardigan, quart d'avant. Puis, ben, j'ai pas touché à rien d'autre que ça. Fait que. J'ai tout autre chose. Non. C'était pas mal tout pour aujourd'hui. Fait que je vous dis à demain. Salut, bye! Vendredi 19 novembre, il est 15h37 exactement. Et aujourd'hui, j'ai pris ça un peu relax. Je suis allée voir mes animaux, tout est beau. Puis ma fille a fait le party hier, puis il faudrait qu'elle ramasse la maison. Et non à moi. Donc, parce que c'est une journée pédagogique chez nous. J'espère qu'elle va le faire. Fait que j'en profite pour venir vous voir un petit peu. J'ai commencé le jacquard et j'ai joint en rond, mais là, ça roule à cause du... C'est le cardamome de Marie-Christine Lévesque. Et je me suis un peu décoiffée, puis là, ben... J'ai commencé le jacquard. J'ai l'impression qu'il va être grand. En tout cas, wow, mais c'est sûr que là, j'ai une bande ici. Hein. Après, on fait la bande. Donc, j'ai commencé le jacquard. J'ai joint en rond tantôt. Ça va être chaud. Oh, je croche. Bon. Puis, c'est ça. J'ai commencé un début de jacquard. Ça ressemble à pas grand-chose. Quand le premier prochain c'est pas ça, dans le fond, c'est sur 4 ou 5 rangs, le premier motif. Après ça, on retombe dans la couleur principale. Ensuite, on retombe dans d'autres motifs. Puis ensuite de ça, ben, j'ai pas grand chose d'autre à part que mon échantillon est sec. Bon, il est encore une petite affaire humide, là, mais là, je vais aller mesurer mon échantillon pour le pull Ashley de Alice Gerfaux. Sauf que. T'sais, elle prenait du 3 mm pour avoir du 26 mailles, je pense. C'est une affaire de même. J'ai pas le patron avec moi, mais moi, j'ai pas de 3 mm. Fait que, ici, j'avais essayé avec le 3.25. Puis, il est trop... c'est trop ajouré. De toute façon, j'ai pas 26 mailles certain. Fait que là, j'ai pris du 2.75 que j'avais. Fait que là, je vais aller le mesurer, mais j'aime mieux le rendu de... du 2.75. Là, ben, si je l'ai pas, puis que, si j'arrive pas sur l'échantillon, puis qu'il faut que je me commande des 3 mm, je vais demander à Alice si je peux le faire en 2.75 en adaptant. En tout cas, je sais pas si j'ai le droit de faire ça dans un test. Je sais pas. Fait que je vais aller mesurer ça. Puis aujourd'hui, ben, c'était court, hein? Short and sweet. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein? J'ai pas grand chose de nouveau, ni à la bergerie, ni dans la maison. Puis, ben, c'est ce que j'ai fait dans mes tricots. Fait que je vous dis à demain. Bye! On est dimanche 21 novembre. Je ne suis pas venue vous voir hier parce que j'étais pas mal occupée, puis je viens de finir aujourd'hui. J'ai fait le ménage dans mon hall d'entrée de la bergerie. Je viens de terminer. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai pas fait un avant après parce que le avant était pas très beau. Quand les gens ils viennent pour les mini-stages, ils ont des tâches à faire le matin, s'ils viennent le soir, s'il y a des accouchements, on appelle ça des agnolages.
Il rentre ici. On a un premier parc en rentrant. Fait un ménage de toutes mes chaudières. Et puis ça ici, ma petite minute agricole, c'est de la terre de diatomée qui se trouve à être de la poussière de coquillage. Bon, excusez mon reniflement, j'ai chaud et j'ai froid, donc je coule du nez. Donc, la terre de diatomée, ça sert... si on regarde un morceau microscopique au microscope, on aurait comme un flocon de neige avec plein d'aspérités tout le tour. Et ce dit flocon de coquillage s'accroche à tous les insectes qui ont une carapace. Les puces, les poux, les mouches, ces choses-là. Donc, les poules viennent prendre leur bain dans ça, parce qu'une poule, ça se lave pas dans l'eau, ça se lave dans le sable. Là, j'ai pas de sable l'hiver, j'ai juste la terre de diatomée. Il s'arrose, il s'asperge de ça. Puis, ça contrôle les poux, les puces de poules qui ne sont pas compatibles avec les moutons. Mais moi, je les vérifie souvent. Puis, à l'occasion, j'en ai une qui en a un petit peu. Je prends la terre de diatomée, je lui en mets direct, je dérouvre les ailes, puis je lui en mets direct sur elle. Donc, minute agricole terminée, terre de diatomée pour aider les poules à contrôler les poux, les puces. Puis là, ben ici, j'avais une grosse armoire, style armoire à micro-ondes, là, tu sais, qui montait jusqu'en haut, puis qui était très épaisse, qui venait jusqu'ici en avant, là, puis ça prenait beaucoup de place. Fait que là, on a enlevé ça, fait du ménage pour se reclasser, puis j'ai tout classé mes affaires. Puis là, les gars, ils peuvent pas dire qu'ils savent pas où mettre les affaires, hein? Peinture, marqueur. Fait que, hein, chaque chose à sa place. Bon. Là, étant donné qu'elle est en métal, on va peut-être avoir moins de problèmes de souris. Que c'est l'inconvénient. À l'étame, on a de la vermine. Bon, fait que mon hall d'entrée est fait. C'est sûr que là, les poules, ils me grattent tout le temps. Je peux pas me laisser ça direct sur le béton bien lisse, là. Ça marche pas. À cause des poules. Fait que je vous retrouve à l'intérieur pour ma minute agricole, pas toute, pour mon avancée tricot. Bye! Salut! Je vous retrouve à l'intérieur, toujours dimanche. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire, donc? Ah oui. Savez-vous quoi? J'ai pas touché à mon cardamome depuis 2 jours, parce que j'ai embarqué sur le pull mon testnit de Alice Gerfaux. Et moi, j'ai commencé... je me suis fait un carnet maison. Je me suis acheté un beau livre. J'ai marqué mon carnet de tricot, mes couvertures de nuit. J'ai commencé en novembre 2021. Puis là, j'ai commencé par faire pour mon... Je perds au travail. Mais mon cardamome. Puis je me suis pris des informations. OK. Fait que là, hier, dans le fond... J'ai commencé mon testnit le 19 avant hier, mais j'ai fait ma mise en page pour mon testnit hier. Puis là, hier, en faisant mon encadré pour le nom de mon test, là, mon projet, c'est le testnit. Moi, je le disais, le pull Ashley. Je sais pas pourquoi je disais ça. C'est Alcey, A-L-S-E-Y. Et non Ashley. Là, hier, quand j'ai monté ma page, puis que là, j'ai écrit, tu sais, j'étais allée sur le patron pour prendre les coordonnées, là, tu sais, l'échantillon qu'elle demande versus le mien, puis tout ça. Puis là, en prenant mes notes, puis tout ça, là, parce que je prends en note mes hashtags que je peux mettre sur Internet pour... J'étais en train de tomber. Bon, c'est ça, en prenant mes hashtags en note, là, tu sais, là, elle me disait, on peut prendre... le nom du pull, bon, en tout cas. Fait que là, en écrivant pull, ben, Ashley dans ma tête, là, elle écrivait A-L-S-E-Y, Alcey. Fait que là, j'ai dit, voyons, c'est moi qui suis retournée, le nom du patron, c'est vraiment pull, Alcey. Là, je disais Ashley. N'importe quoi. Fait que là, j'ai écrit ça dans le groupe du test, puis là, j'ai dit, je suis en train de rendre compte que je suis en train de débaptiser le nom du pull depuis le début. Ils ont ri de moi un petit peu. Donc, j'ai ça de nouveau, mon carnet de tricot pour être capable d'être à jour. Parce que je me rends compte que je suis pas assidue sur Ravelry. Je le suis un coup le projet fini. Je vais monter ma fiche un coup qu'elle est finie. Fait que j'aime mieux me le faire papier, l'avoir toujours à côté de moi, prendre mes notes. Puis ensuite, au pire, aller gérer sur Ravelry.
pour mettre ma fiche à jour. Ensuite de ça, dans la nuit de... Là, je sais pas, je voulais-tu montrer Infini? Oui, je l'avais montré, je pense. Bon. Dans la nuit de vendredi à samedi, mon fils a 17 ans. Et il est rentré dans la nuit, comment dirais-je, quelque peu amoché. En tout cas, il était malade. Puis moi, un de mes enfants malade, j'aime autant. Puis bon, c'est rare que ça y arrive, là. Je pense que ça y est arrivé deux fois dans sa vie, là. Puis, avec lui, j'aime pas ça, les sutures. J'ai toujours peur qu'il se blesse ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai monté mon ombre, j'ai commencé à tricoter. Puis, j'ai quasiment fait un heure de tricot à côté de lui dans la salle de bain. Je le taguerai pas pour donner son nom. Il m'aimera peut-être pas sur YouTube. En tout cas, vous comprenez? Fait que ça m'a donné un petit peu de temps de tricot de nuit. Puis c'est ça, là, j'ai trouvé ma façon de tenir mes aiguilles. Mais d'habitude, quand je tricote, mettons tout le reste, je pousse avec mon pouce. Puis là, celle-là, je le tiens vraiment avec mon index. Puis j'ai tendance à pousser avec mon index. Je pense que c'est pas trop pointu, parce que je pense que je me blesserais le bout du doigt. Mais je tricote plus large qu'en Magic Loop. Fait que, en tout cas, c'est des jambières pour ma nièce. Là, je penserais pas que Laurence s'en plaigne qu'elle soit plus serrée d'un bord ou moins serrée sur l'autre. Là. Ça va être des jambières pour mettre par-dessus ses patins. Fait que, tu sais, c'est des 60 mailles, mais tu sais, pour elle, ça va tomber lousse puis ça va tout ratatiner dans le bas de ses patins. Donc, ça, c'est une petite avancée. Puis, j'espère que vous n'entendez pas les gars s'ostiner en bas. Ensuite de ça, ben j'ai le droit de vous montrer le test un petit peu, mais il s'est pas passé grand-chose. C'est juste ça. Fait que... Et avant que je comprenne que les erreurs qu'on peut voir, mettons, ou les trucs qu'on peut dire à Alice pour dire « Ah, ben j'ai vu telle affaire, tu pourrais faire telle affaire, tu sais, faire les changements », ben ça se fait directement sur le patron. Mais là, je savais pas qu'elle avait fait comme des mises à jour, puis qu'on pouvait retourner voir sur le même patron. Tu sais, dans le fond, il se met à jour automatique. Et boboy. Et là, moi, je monte mon premier rang d'augmentation. Ça marche pas comme elle a dit. Fait que j'ai réessayé d'un coup que c'est moi qui étais. Fait que là, j'ai dit, moi, la grandeur 111, j'arrive à tant de mailles après mes augmentations. Fait que là, elle dit, as-tu la nouvelle version? Je disais, où la nouvelle version? Elle dit, clique direct sur le patron que je t'ai envoyé dans tes emails. OK. Ah, ben là, ça concorde bien plus. Fait que je suis dans un jacquard. J'ai commencé mon jacquard. Et c'est toujours les brebis du bourrivage. Fait que c'est tout. C'est juste ça que j'ai de fait. Puis j'ai pas retouché à mon gratitude. Je viens de le voir dans mon panier. Faudrait peut-être que je m'y remette si je veux avoir un char à un moment donné. En tout cas, après ça, ben c'est pas mal tout. Là, c'est ça, vous avez vu mon ménage intérieur du hall d'entrée de la ferme. Puis en même temps, j'ai fait ma petite minute agricole. C'était pas très intense comme minute, là, mais la quantité de poules que j'ai, c'est important que je les traite là, pour pas qu'ils se développent de puces puis de poules. Pour ça, quand je rentre des nouvelles poules, ou tu sais, des fois, des gens nous emmènent des nouvelles poules, là, tu peux se les prendre pour l'hiver. Des fois, ils reviennent, ils cherchent au printemps, des fois, non. Fait qu'on a un roulement de poules tout le temps, là. Mais il faut que je les surveille, voir s'ils n'ont pas déjà des puces ou des poules pour les traiter, pour pas qu'ils me les donnent aux autres. C'est pas dangereux pour l'humain, puis c'est pas dangereux non plus pour le mouton. C'est pas le même pot. Ça s'attaque pas aux mêmes bestioles. Fait que c'est ça. Mais pour l'instant, ça va bien. Fait que j'ai changé leur terre de diatomée tantôt. Ça va lui faire un nouveau bain. Fait que je vous dis ben à demain. Salut! Je pense. Oui. J'ai changé un petit peu mon angle de vue pour voir si ça allait bien comme ça. Vous me direz si vous aimez ça ou pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai travaillé mon carnet de tricot que j'aime bien. Fait que, tu sais, j'ai refait
mes affaires. Mes stickers. J'ai regardé pour m'acheter des stickers déjà tout faits sur Etsy, tout ça. Ça coûte cher, ça. Fait que je les ai faites moi-même. J'ai fait des stickers moi-même. Fait que là, j'ai le pull alcé, j'ai le cardamome que j'ai fait. Là, je m'en suis créé un vide que je vais pouvoir faire prochainement. Puis, j'ai fait mon gratitude aussi pour mon châle, pour avoir des notes. Fait que je vais être plus assidue dans une version papier que sur Ravelry, je pense. Puis, à l'occasion, j'irai mettre mon Ravelry à jour. Quand j'aurai le temps, puis quand ça va me tenter. Puis, là, je suis rendue à... Bon, mon chien qui s'est l'autre bord de la porte. Je suis rendue... je viens de finir ma dernière section d'augmentation dans mon pull alcé. Puis après ça, ben dans le fond, là, on continue le jacquard jusqu'à la fin. Puis on, techniquement, on va être rendu assez large pour finir l'empiècement. Par contre, là, je veux clencher le... Oui, j'aime ça, ouais, du jacquard à l'envers. Je vais finir mon jacquard avant de reprendre mon cardamome pour... après ça, ben ça va être juste du jersey tout le long. Fait que ça, je pourrais le faire à temps perdu, à la vitesse que je veux, puis tout ça. Fait que je vais me concentrer sur le jacquard du pull alcé avant de alcer. Faut que j'arrête de le débaptiser. Avant de prendre mon cardamome. Et ensuite de ça, hier, j'ai parlé au téléphone avec ma fille, puis j'ai travaillé un peu sur mon cardamome. Pas tout, gratitude. Mais là, je sais c'est quoi mon erreur. Voyez-vous ici, là, il y a un point mousse, puis il est supposé en avoir un autre au-dessus de la dentelle. J'ai oublié de le faire. T'sais, ils sont toujours entourés d'un point mousse en haut, un point mousse en bas, puis j'ai oublié de le faire ici. Est-ce que ça me dérange? Pas du tout. Puis, fait que c'est ça, fait que là, je suis rendue à recommencer une autre section de dentelle. Fait que... Puis, je pense que je vais me faire encore quelques sections de dentelle, là, puis point mousse. De toute façon, j'en ai en masse. Puis ensuite, il y a une bonne barre une belle bordure à faire. Prendra le temps que ça prendra, hein? Bon, fait que vous me direz si vous aimez cette prise de vue-là. Au lieu de l'avoir face à moi, ben là, il est comme plus à angle. Puis je trouve que ça va mieux pour montrer des affaires. Je suis moins... En tout cas, vous me direz si vous aimez ça. Le reste de la semaine, je vais être comme ça. Puis dites-moi en commentaire si vous aimez cette prise de vue-là ou si c'est dérangeant. Je sais pas. Fait que là, on est le soir, comme vous avez pu voir, parce que là, j'ai ma rondelle. Parce que aujourd'hui, j'ai pas pu venir dans le jour. Fait que, puis là, ben, je m'en vais voir mes animaux. Puis je vais aller prendre des images. Salut, je vous reviens, on est mardi 23 novembre, j'arrive de dehors, j'ai jougelé, il est comme 5 heures, je m'en vais faire le souper dans pas long, et il fait donc mes frites. Il fait pas froid, il fait frette. Ça, c'est... Il fait moins 6. On dirait qu'on est déjà dans le moins 40. Je sais pas si c'est parce que mon corps n'est pas habitué au froid, là. Ah! Oh. On a essayé de déplacer un bulldozer que mon chum est en train de vendre. Pas capable de le déplacer. Le tracteur a trop froid. Ou ben non, le bulldozer est pris dans la glace. J'en ai aucune idée. En tout cas, pour faire une histoire courte, j'arrive de dehors puis j'ai froid. Bon. Voyons, excusez. J'ai racheté thématique. Aujourd'hui, j'étais allée voir mon père quelques minutes. J'avais quelque chose à aller chercher chez eux. Puis ma marraine en reste en face de chez eux. Puis je l'ai vu. Voyons, j'ai des peluches. Non, je suis pas folle. J'ai des peluches dans ma caméra. Puis j'avais ma tuque. Là, ma marraine a dit, ah, j'en veux une moi aussi. Tu sais, m'a dit, je la prendrais plus foncée. Elle a essayé la mienne, puis elle aimait ça. Fait que je suis allée tout de suite au magasin. Fait que là, vous allez me dire, mais Julie, elle est pareille comme la tienne.
Effectivement. Parce que je lui ai montré, l'autre qui était comme ça était le fond noir au lieu de beige, puis toutes les mouches étaient jaunes, rouges, puis bleues. Elle aimait pas ça. Puis elle voulait un pompon foncé. Fait que j'ai acheté. Là, j'ai montré, j'avais elle, la noire, ou fond bleu, style bleu jeans un peu. Ça marchait pas. Avec ce pompon-là, je vais le sortir de la boîte. Il est comme ça. Fait que ça va être ça, puis ça. Au lieu d'être un pompon blanc, comme. Fait que aujourd'hui, j'ai pas eu le temps du tout de toucher au tricot, mais. J'avais un petit papier dans ma boîte aux lettres qui me disait « Faut que t'ailles au bureau de poste un colis. » Là, j'attends rien. Mais oui, j'attends quelque chose, mais je m'en souvenais plus. Moi, j'avais... Ça, j'avais commandé cette tresse-là. Ça faisait déjà un petit bout de temps. Je l'ai déjà reçue. C'est du Corydale. C'est très doux pour la filet. C'est les couleurs naturelles. OK, puis là, je me suis définitivement sauvée. Mais là, ce que j'avais commandé depuis un bon bout de temps puis que j'avais pas reçu encore... C'est mon fuseau suspendu, supporté. Et là, pendant 5 minutes tantôt, j'ai essayé d'en faire un, mais... Fait que je vais... Tu vois? Puis ça vient de la Russie. Mais... C'est tellement léger, là. On dirait que du plastique. Mais je pense que c'est vraiment du bois. Là. Ça vient... Art of Siberide. Ben, coup d'œil. Il fait pas chaud en Sibérie. Peut-être que. Et les autres, ils savent c'est quoi. Fait que. Puis, ils venaient avec un peigne. Peigne en bois. Non, c'est pour peigner la laine, on s'entend. Fait que, à soir, je tricoterai pas, je pense. Ce soir, j'ai encore une réunion en Zoom. Fait que, je peux fermer ma caméra. Fait que, je vais essayer, pendant que j'écoute, de pratiquer mon fuseau. Essayer de travailler ma technique. Puis ça, ben, c'est l'autre fois quand j'ai cousu ces petits pochons-là. Là, j'ai une de mes filles qui était, maman, moi aussi je vais essayer. Puis elle a fait ça. Fait que là, j'avais mis le stock dedans, mais le fuseau rentre pas dedans. On a mis des pressions. Fait que, assez bien amusée. Mais je la trouve belle malgré une première fois. C'est quand même pas si pire. Fait qu'on va pouvoir l'utiliser pareil. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Voyons, j'ai des peluches partout. Fait que je vous dis à demain. On va fermer ce vlog-là demain. Puis là, ah, c'est vrai, je vais commencer à vous le dire parce que je vais vous le dire aussi toute la semaine prochaine. Dans le fond, là, je ferme mon vlog. Il va être en ligne jeudi. L'autre semaine... L'autre semaine... Dans le fond, à partir de jeudi qui s'en vient, là, quand vous allez voir le vlog, à partir de ce jeudi-là, je ne filmerai pas en... Non, attends un peu, je te vois ça dans les dates. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Je vais vérifier mes dates, là, en tout cas. Parce qu'il y a une semaine, là, moi, le 30... Novembre 1-2, je ne suis pas à la maison, je suis en congrès. Et je ne pourrai pas faire de montage vidéo. Puis peut-être me filmer dans ma chambre d'hôtel le soir, ça me dérange pas, tu sais. Mais je ne pourrai pas faire de montage, puis le mettre en ligne le jeudi. Fait que j'ai pensé, cette semaine-là, le faire en live à tous les jours. Je vais me faire un petit bout directement sur YouTube. Fait que j'aurai comme pas de montage à faire, vous allez me voir à tous les jours pareil, sauf... en direct là. Puis après ça, ben, il va tomber en différé pour ceux-là qui n'auront pas été en live avec nous. Je vais essayer ça pour cette semaine-là. Fait que activez votre petite cloche si vous voulez me voir live. Sinon, ben, vous verrez. Salut, à demain! Thank you.
On est mercredi 24 novembre. Je ferme le vlog. J'ai eu une nuit assez mouvementée. Un peu d'acharnement de mon conjoint sur... En tout cas, on a vendu une machinerie qui ne voulait pas partir à cause qu'il fait trop froid. Puis le monsieur qui l'a acheté, bien, il voulait l'avoir pendant qu'il fonctionnait. Fait qu'en tout cas, ça a fini que le monsieur qui a acheté la dite machinerie est parti d'ici. Il était 1h du matin. À entendre un bulldozer essayer de partir puis qu'il partait pas. Puis en tout cas, fait que pour faire une histoire courte, on n'a pas dormi beaucoup. Fait que je suis encore en pyjama puis je m'en vais faire mon montage de vlog pour vous mettre ça en ligne demain. Comme vous avez pu le constater, j'ai reçu mon fuseau supporté. C'est un charme ça. Hier, j'avais eu... ça, c'est du la fibre que j'ai acheté sur Etsy et je ne sais plus où. C'est du Corridae, là. 100% Corridae. C'est très doux. Ouais, c'est doux. Puis, ça se file comme un charme. Je crois que j'ai un petit peu plus que 100 grammes. Ouais, je pense que j'ai un peu plus que 100 grammes. En tout cas, faut que... Puis allez, je me ferai une paire de chaussettes avec pour dans mon lit. Puis, ça vient de la Russie, là. J'ai pris ça sur Etsy. Ça vient de la Russie. J'avais oublié que je l'avais commandé, comme je vous ai dit hier, puis il est très, très, très léger. Fait qu'au début, avant que je pogne la twist, bon, les animaux qui ont envie de... Gros minet, va-t'en chez vous. J'avais un peu de misère, mais un coup, j'ai eu pogné la twist, ça allait bien. Mais plus il est pesant, ben, tu sais, plus il y a de la laine dessus, mieux ça va. J'aime bien ça. Fait que là, hier, j'avais une réunion en Zoom encore. Ça a duré environ 7h30, 8h30, 9h30, 2h30. Fait que j'ai filé tout le long. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais. Fait que avec tout ça, hier, je vous ai dit que j'avais pas eu le temps de tricoter. J'ai fait un rang hier soir, puis un rang ce matin. Donc, là, ben, je m'étais mis la dernière fois. J'avais oublié de vous montrer un Progress Keeper. Puis là, ben, je vais le bouger pour pas l'oublier cette fois-ci. Fait que j'ai juste fait un rang de plus. C'est sur le pull Alcé de Alice Gerfaux. Fait que j'ai de la peluche. On est rendu là dans le jacquard. Je vous en montre pas trop parce que ça reste que c'est un test knit. Alors, on a le droit de la taguer puis de taguer aussi... le nom du pull, mais de ne pas le montrer terminé avant la fin du test. Fait que je vous montre vite fait. Puis à part ça, ben c'est ça. Fait que surveiller YouTube à partir de jeudi le 25, en réalité. Ouais, c'est ça. Je vais être en live à tous les jours pendant quelques minutes. Un peu comme je fais là, mais sans montage. Puis il va être en live. Fait que vous prendrez quand vous pourrez, là. Mais c'est juste parce que mercredi, la semaine prochaine, je pourrais pas faire le montage pour le mettre en ligne le jeudi, je serai pas ici. Donc, ce que je fais, c'est que je fais du YouTube live. Ouais, si je suis capable. Fait que, puis je peux pas vous dire les heures. Fait que j'imagine que si vous activez votre petite clochette, vous allez avoir un pop-up qui va apparaître comme de quoi que je suis en ligne maintenant, là. Sinon, ben, vous me laisserez des commentaires puis je vous répondrai. On est rendu 395 abonnés. Hey, je capote. C'est le fun, ça. Ça m'épate. Puis, je suis bien contente de vos commentaires. J'aime ça quand vous m'écrivez, que vous me faites des petits pouces en l'air. Fait que n'hésitez pas à partager, à vous abonner. Puis, je suis en train d'étudier la possibilité de faire un cadeau pour les 500 abonnés. Fait que ça sera pas en 2021. Hein? Il reste à peine un mois et demi, puis on va tomber en 2022. Je ne penserais pas avoir 105 abonnés en dedans d'un mois. En tout cas, je vais regarder pour faire un petit cadeau, un petit tirage pour le 500 abonnés. Fait que c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. Ça, j'ai parlé, j'ai pas touché à d'autres choses. Mon cardamome est de côté. Tant aussi longtemps que mon jacquard du pull à Alcé ne sera pas terminé, j'embarquerai pas sur le jacquard de mon... Tu sais, parce que de mon cardamome, parce que quand je vais tomber sur mon jersey, là, non-stop, du pull à Alcé, ben ça va se faire tout seul, tu sais, fait que je vais
Je vais me concentrer sur le jacquard de l'autre après. C'est tout. On se dit, à demain en live. Puis, après ça, je vais reprendre le relève pour la relève. Je vais reprendre les vlogs réguliers après. Salut, bye!